par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Et nous avons aussi octroyé des équipements au centre de santé pour pouvoir conserver les vaccins, mais aussi d'autres médicaments. Et cela va permettre à ce que la qualité des vaccins, mais aussi la qualité des médicaments qu'on dispense à la population, reste meilleure. Par rapport à la lutte contre les épidémies, nous avons poursuivi les mesures de prévention contre la pandémie ou l'épidémie d'Ebola, comme vous le savez, sévit en RDC. Et tous les visiteurs ont été screenés et nous avons plus de 22 points d'entrée sur lesquels nous avons déployé des infirmiers qui ont été formés, mais aussi des équipements pour pouvoir faire la surveillance. Et nous avons constaté que quand bien même les visiteurs chez qui nous avons constaté qu'il y avait une hausse de température, nous avons fait des investigations. On trouvait que la plupart c'était du paludisme parce que du côté de la RDC, et le paludisme aussi s'y trouve. Il y a une recrudescence du paludisme. Et quand bien même ils n'étaient pas des Burundais, nous les avons soignés gratuitement. Donc cela a facilité les échanges entre le Burundi et la RDC. Et nous remercions également nos collègues de la RDC parce qu'on collabore chaque fois qu'il y a de besoin. Et par rapport à l'épidémie de choléra, comme vous le savez, qui a sévi ici à mairie de Bujumbura et dans la province unitaire de Cibitoke. Et je tiens à signaler qu'actuellement, il n'y a aucun cas de choléra. Nous avons comptabilisé 21 jours sans un nouveau cas. Et par rapport aux prescrits de l'OMS, cela nous permet de déclarer la fin de l'épidémie de choléra. Et à travers les activités que nous avons menées, nous avons accueilli dans nos hôpitaux plus de 1095 patients qui ont été soignés gratuitement. Actuellement, ils sont rentrés et vaquent à leurs occupations comme d'habitude.